On est où là? C'est dégoûtant, hein. Oh oui, ça sent mauvais maintenant. On a gagné. Oui, salut, c'est Homer. C'est pas très bien si vous n'êtes pas abonné à la chaîne des délires de Max. Et ça fait pleurer la petite licorne. Alors si vous voulez avoir des donuts, eh bien abonnez-vous à la chaîne. Et un énorme merci tout particulier à tous les membres de la Super Max Family. Merci beaucoup, cœur sur vous. Hey, comment allez-vous les amis? Moi c'est Max. Vous ne rêvez pas, je suis bien dans ma chambre chez mes parents avec un tout nouveau setup. Je filme avec la webcam Razer Kiyo Ultra. J'essaie de faire la meilleure image possible. Vous voyez, c'est super joli, ça fait le focus sur moi. Il y a le fond qui est comme ça, mal rangé, faites pas gaffe. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire un nouveau jeu dans l'univers de Granny. C'est un modeur qui a créé un tout nouveau jeu avec tous les personnages de Granny. Et ça s'appelle The Angry Family, donc la famille en colère, énervée, puisque eh bien on a le Teddy dans les mains pendant toute la partie. Tous les monstres eh bien nous courent après, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça va être galère. On essaiera aussi les modes de difficulté extrêmes et difficiles, juste pour s'amuser. Mais d'abord. Yeah, quelque chose à vous montrer. Yeah. Tout ce que vous venez de voir a été filmé par une webcam. Impossible? Si, grâce à la Razer Kiyo Pro Ultra, laissez-moi vous expliquer ça tout de suite. Je suis super méga content de vous présenter un nouvel accessoire de chez Razer, et c'est pas n'importe quel accessoire, c'est leur toute dernière caméra, la webcam, pour les streamers, mais également pour les créateurs de contenu. Vous allez voir pourquoi je dis ça, ça va peut-être révolutionner quelque chose sur ma chaîne. Il s'agit de la Kiyo Pro Ultra. Regardez, c'est écrit ici avec des lettres qui changent de couleur, toujours. Le packaging chez Razer est toujours hyper premium, hyper qualitatif, et ça déjà, ça veut dire beaucoup. Ça prouve que le soin apporté au produit va jusque dans l'emballage, et ça c'est important. C'est la webcam la plus performante du marché, la plus belle image du marché, avec les caractéristiques qu'elle a. J'ai jamais vu ça. Je pense remplacer ma caméra actuelle, qui est un Canon, qui est un réflexe, hein, c'est le Canon EOS 80D, par ça, puisque l'image peut être d'une qualité similaire à du DSLR. C'est incroyable. Le capteur est le plus gros. C'est le capteur Sony Starvis 2, deux fois plus gros que tous les capteurs des autres webcams sur le marché. Et surtout, elle a une très petite ouverture, ce qui fait que ça permet d'avoir une superbe qualité, même dans les environnements avec peu de lumière. On a une très très belle image. Ça peut aller jusqu'à 4K en 30 fps ou bien sûr en 1080p à 60 fps. Il y a une ouverture donc 1.7. C'est très très petit pour une webcam, c'est génial. Et ça supporte l'HDR, le High Dynamic Range, des lumières pas trop brûlées et des couleurs bien plus éclatantes. Plug and play, hein, c'est une webcam, donc on branche et c'est tout. Il y a un logiciel, hein, Razer intégré, avec énormément de réglages. Je vais vous montrer également. Ça permet de faire du flux non compressé. Il y a un processeur à l'intérieur qui permet d'avoir la meilleure qualité d'image en streaming. Voici sur le côté, donc il y a un mode portrait, puisque comme le capteur est très très grand, ça fait un mode portrait naturel, c'est pas fait par logiciel. Par exemple, du flou dans le fond, toutes les caractéristiques sont là. Vous avez même un shutter, donc c'est à dire que ici vous tournez la molette et la caméra se ferme pour l'intimité, on va dire. Si jamais vous avez besoin de fermer la caméra d'un coup, vous pouvez directement sur la caméra. Le petit support qui est inclus, ça fonctionne en USB-C, c'est génial. Wow, on va l'ouvrir. Petits autocollants à enlever. Super belle boîte, regardez-moi ça. Jamais vu une boîte de webcam aussi belle et aussi bien faite, avec le petit logo Ultra Quality Webcam Simplicity. C'est le meilleur des deux mondes. Vous avez la qualité d'une grosse caméra mais la simplicité d'une webcam. Pour moi, ça va changer beaucoup de choses, parce que je voyage pas mal. Emmener à chaque fois ma grosse caméra, c'était vraiment pénible. Je soulève la boîte et à l'intérieur, on a le petit papier par le fondateur Ming Liang Tan, le manuel bien emballé. C'est vraiment premium, hein, cette caméra, j'ai jamais vu ça. C'est le haut de gamme chez Razer. Vous avez d'autres webcams disponible, il y en a pour tous les prix et pour tous les besoins surtout. Et la webcam, elle est là en dessous, regardez-moi ça, elle est vraiment magnifique, elle est super stylée en plus, méga bien protégée, on dirait vraiment un gros capteur de caméra. Bah, c'est ce qui permet d'avoir une superbe qualité. Le shutter, c'est ça, il vous suffit de tourner, ça s'ouvre, ça ferme. Oh, j'aimerais que vous puissiez être là, le ressenti de ce shutter, c'est incroyable.
c'est en métal ici, ça coulisse tout seul, c'est incroyable. Il y a une petite ventilation évidemment parce que comme elle filme en 4K, il y a le processeur, tout ça, il faut le refroidir. Et très joli, elle fait hyper méga qualité. Et en dessous nous avons tout simplement le câble et le capot de protection. Il y avait également ce lot de deux autocollants avec le logo Razer, câble USB-C à USB-A tressé en tissu, donc qui permettent de pas trop s'en mêler et de pas s'abîmer. Surtout le détail, regardez, c'est vert à l'intérieur des câbles, le diable se cache dans les détails, j'adore. Le petit cache ici, c'est le petit cache qu'il suffit de mettre ici, hop, par-dessus la webcam pour la protéger lors d'un déplacement. Je vais la brancher sur le PC, mais d'abord, petit moment ASMR. Ouh, le support peut se placer sur un trépied, mais vous avez également la pince pour mettre sur un écran. Je viens de brancher la webcam et tout de suite j'ai le logiciel de jeu Razer qui se lance et qui reconnaît la webcam. On peut installer tout ce qu'on veut. Vous avez un centre de contrôle pour contrôler tous vos accessoires Razer. Alors la caméra se met à jour, il suffit de télécharger le firmware sur le site de Razer et de lancer, qui permet de mettre à jour très simplement en cliquant sur mise à jour. Et ça y est, la caméra est installée. Vous voyez la qualité de l'image, incroyable pour une webcam, c'est une webcam. J'ai l'impression que l'image est meilleure que sur ma grosse caméra Canon que j'avais. Les technologies évoluent. Là, je suis en 4K 30 fps, le flou à l'arrière naturel. Je n'ai rien réglé pour l'instant à la caméra. On a énormément de paramètres, c'est cool. Je vais vous montrer maintenant. Donc ça se passe dans le logiciel Synapse de Razer, logiciel complètement gratuit. La partie diffusion, j'ai pas de zoom parce que je suis en mode 4K, mais regardez, si je passe en mode 1080p 60 fps, je suis plus fluide. C'est quand même une super qualité d'image. On a encore le flou à l'arrière, tout ça, l'image est magnifique, je suis bluffé par l'image. On peut faire des zooms, regardez. Oh bonjour, un petit peu trop près, non? On peut déplacer ce zoom où on le souhaite. Par exemple, si je veux faire un petit focus sur l'arrière ici, bonjour les Spice Girls. Régler la mise au point en auto, pour l'instant c'est réglé sur mon visage. Si je veux vous montrer la Wolverine, la manette de Razer, eh bien je vous la montre comme ceci. J'approche un petit peu et le focus se fait automatiquement en quelques secondes. Vous avez vu, j'enlève. Bonjour, je suis là, il fait le focus sur ma tête, c'est incroyable. En exposition, pareil, je peux faire une exposition manuelle. Oh, beaucoup trop lumineux, vous voyez, si c'est en manuel, il faut régler l'ISO. Je peux régler l'ISO comme ça manuellement. Je vais le laisser en auto parce que l'image est plutôt jolie en auto. Dans l'onglet traitement, vous pouvez choisir bien sûr la qualité de l'image. J'ai activé l'HDR, j'ai l'impression que cette caméra fait vachement ressortir le bleu de mes yeux. Et enfin, dans le traitement de l'image, vous avez énormément de pré-réglages. Vous pouvez régler la luminosité, le contraste, la saturation, la balance des blancs, l'anti-scintillement, le filigrane. Avec cette qualité d'image là, c'est officielle, cette caméra va remplacer mon ancienne caméra. Pour un créateur de contenu comme moi, c'est vraiment parfait. Mais c'est pas n'importe quelle webcam, c'est la Kiyo Pro Ultra de chez Razer. Je valide à 100%. Donc je remercie Razer, merci du fond du cœur. Je vous mets le lien vers Razer dans la barre d'infos. Allez voir, il existe d'autres modèles de caméras de webcam sur le site de Razer. Et maintenant, back to the video. Générique. Merci pour tous vos commentaires et il est l'heure de lire le top 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 commentaire d'une vidéo précédente. Il s'agit de cette vidéo, c'était la vidéo où je faisais un mode de granny complètement foufou avec une granny toute petite et aveugle. Et le top commentaire vient de Matix Gaming qui me dit waouh, je suis super content, une nouvelle vidéo de Max qui me donne le sourire à chaque fois. Smiley, smiley, cœur. Oh c'est trop mignon, je suis super content que mes vidéos vous donnent le sourire, vous fassent le smile et vous fassent plaisir. Moi vous savez, je le dis depuis 10 ans maintenant, bientôt en juin ça fera 10 ans que je fais des vidéos sur... Non, 9 ans, pardon, que je fais des vidéos sur YouTube. Mon objectif, c'est vraiment de vous faire passer un bon moment, un moment léger, de divertissement, du fun, de l'humour, du rire, voilà, un truc léger où on se prend pas la tête et on oublie un peu le quotidien parce que le quotidien, il est là tous les jours. Merci pour tous vos retours, ça me fait super plaisir que ma mission soit en quelque sorte réussie. Donc n'hésitez pas à commenter, peut-être que vous serez en top commentaire et que je vous lirai dans une prochaine vidéo. Donc maintenant, eh bien, on va jouer à The Angry Family, la famille en colère de toute la famille de Granny, il y aura le grand-père, Slendrina, il y aura peut-être l'araignée aussi. Vous allez voir, ça va être exceptionnel et très flippant. N'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. S'il vous plaît, bombardez les likes. Ça fait super plaisir de voir que vous aimez mes vidéos. Et si vous voulez plus de vidéos comme ça dans ce style, eh bien, allez-y, montrez-le moi en likant. C'est parti, suivez-moi. Let's go! Ça y est, nous sommes dans le jeu. J'ai lancé. Il y a une petite cinématique. On voit le Teddy par terre. Je sais pas ce qui va se passer. J'imagine qu'on va le... Ah oui, d'accord, on l'a ramassé en mode pouf, comme ça, il est venu dans mes mains. On avance, on est donc dans la forêt, peut-être la forêt du début de Granny. Bonjour.
Oh, c'est sympathique. Voilà, donc on a énervé Granny qui nous a frappé avec son bâton parce qu'on a ramassé le teddy. Donc c'est parti, regardez, c'est l'écran d'accueil, ça s'appelle Granny the Angry Family. Et on voit les trois petits compères là, hein. La Granny, son mari, le grand-papa et l'araignée, alors qui apparemment ne s'appelle pas Angelaine, hein. Yandu m'a dit que c'était pas du tout son prénom et que c'était quelqu'un, un youtubeur qui avait créé ce prénom et que depuis c'est resté. Bon, écoutez, je propose qu'on la renomme, hein. C'est vrai qu'Angelaine, j'avais du mal à le dire, Angelaine, donc dites-moi dans les commentaires comment on pourrait appeler l'araignée. Elle s'appelle Mom, c'est la mère apparemment, mais voilà, j'aimerais lui trouver un petit prénom sympathique. Allez-y, on clique sur play, nous allons voir, on va mettre la qualité en élevé bien sûr, des petits tips, c'est un nouveau jeu donc il faut bien sûr regarder les petits tips. Granny, grandpa et mom, donc là on a son vrai appellation, sont toujours en train de vous courir après, merci. Vous avez seulement une seule chance de vous échapper, quel que soit le mode de difficulté, une seule chance de partir. Granny et grandpa ne peuvent pas aller à la pièce de départ, c'est bon à savoir. On va commencer en normal, on aime le défi, le challenge, on fait continue. Jour numéro 1. En même temps, il n'y en a qu'un. Alors, c'est parti. Je vous avoue que je vois pas grand-chose avec les éclairages. Qu'est-ce qu'on est? On est dans une pièce... Qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait un truc par ici. Ah, j'ai besoin d'une roue. Donc ça, c'est comme dans Granny 2. Vous savez, la roue, là, pour enlever la grille. On a une fenêtre qui a l'air fermée. On ne peut rien faire avec. Les coins... Oh, c'est une pièce en triangle ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah non. C'est une pièce en... Ok, il y a une chaise roulante. On a le teddy dans les mains. On ne peut pas s'en séparer. Ça aurait été trop simple. Petit couloir sympathique. On a une clé. D'abord, qui s'appelle la clé de la petite cabane du jardin. Shed, c'est le petit atelier, quoi, on va dire. Et on a une porte ici. Alors, d'accord, donc on est dans le shed. Visiblement, c'est la clé du shed, donc on est dans le shed. On va essayer d'ouvrir. Si c'est ça, je laisse la clé. Oui, c'est ça. Hop, bonjour. Oh, quoi? Il y a déjà eu l'alerte. Qu'est-ce qui se passe? Oui, bonjour. Ils sont où, les coquinous? Il y a quoi, là-bas? Une porte? Oh, oh, oh là 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 là, ils sont là. C'est quoi ça? Oh, une wheel. Bonjour, arrêtez. Ils sont tous les deux contre moi, regardez. Ils ont dit qu'ils pouvaient pas rentrer là-bas. Vite. Et c'est bon, voilà. J'ai réussi, je suis satisfait. Je vais aller maintenant mettre la wheel sur le bâton pour voir si ça fonctionne. Mais bien sûr que oui. T'as ouvert la fenêtre? Mais bien sûr que non. Ça aurait été trop simple. Je peux pas prendre ça et faire comme si j'étais malade et puis qu'il me laisse tranquille parce que... Bon, on y va. Je pense... Oh, il y a une araignée. Ah oui, j'ai pas envie de voir Mom. Mom. Bonjour, bonjour. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh, on peut aller... Oh, ouais, ouais. Oh, vous pouvez pas passer par là. Vous pouvez pas passer... Pourquoi il s'approche? Arrêtez. Ah, vous êtes coincé. Coucou, vous êtes mignon. Allez, vous avez les yeux rouges, hein? Oui, parce que j'ai le teddy, évidemment. Ceci dit, cette voix-là n'est pas forcément plus rassurante, hein? Et je vous rappelle qu'il y a d'autres monstres qui sont là. Là, il y a une grille, on ne peut pas aller, bien sûr. Ça aurait été trop simple. Et ici, on doit s'accroupir encore. Je pense que ça fait un petit sas de sécurité. Voilà, mais une fois qu'on va sortir de là, je pense qu'attention, attention, attention, pompono sur la pomponette. On y va. Dis donc, il est long ce couloir. Vous savez ce que ça représente de marcher comme ça accroupi, hein? J'aime pas l'araignée, j'aime pas l'araignée. Par là, y'a quoi? Dites-moi que c'est pas un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. Hey, 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 hey. Oh, elle a fait le tour. Bonjour, Mom. Tu n'es pas ma Mom. Tu vas me laisser tranquille, d'accord? Alors, je fais le tour par là. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois trouver des objets, c'est pas possible, par ici, vite. Oh, une pierre. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais qu'est-ce que... Est-ce que je peux lui jeter la pierre? Non, ça fait rien. Et maintenant j'ai perdu la pierre. Bon, on va l'amener ici, comme ça on va faire le tour. Bonjour, Angelaine. Non, on a dit qu'on l'appelait plus Angelaine. Bonjour, tu boudes? Mais viens. Oh, alors, ma petite... Mais viens. Pourquoi elle vient pas? Pourquoi? Et pourquoi elle fait demi-tour comme ça? Mais chelou, non, elle veut pas venir. Bon, ceci dit, pour récupérer le caillou, maintenant, ça va être un petit peu compliqué. Caillou, bah oui. Là, évidemment, tu vas vite, dis donc, là, dis donc, tu galopes. Hein, on galope, hein? Alors? Ah, tu peux passer par là, mais pas par l'autre côté, d'accord, j'ai compris. Bon, bah allez, on se dépêche, on va aller vite récupérer le caillou. Ceci dit, je ne sais pas pourquoi avoir besoin d'un caillou. On y va. Je vais retourner là-bas, dans la maison, du début. Hop, hop. Voilà. Normalement, Mom ne peut pas me suivre ici. On est content. Donc on y va. Hop. Par contre, là-bas, il y a les grands-parents qui nous attendent. J'espère qu'ils ne sont pas plantés devant la sortie. Sinon, je ne peux pas sortir.
Évidemment. On avance et on va aller voir. Est-ce que je peux jeter ça là? Ça fait rien du tout. Pourquoi avoir besoin d'un caillou? C'est ça qui me... Franchement, une pierre, quoi. Est-ce que ça fait quelque chose sur... Ah non, évidemment. Ils approchent quand même très rapidement. C'est très dangereux. Là-bas, là. Je peux pas... Ah, pourquoi? Attendez. Pourquoi il y a un truc en haut? Vous croyez qu'on peut jeter la pierre en haut? Mais pourquoi faire? Je ne vois pas l'intérêt, Jean-Charles. On y va. Par ici. Hop, je récupère le caillou. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont là. J'espère que... Il faut toujours qu'ils restent côte à côte, sinon ils nous prennent en sandwich. Compliqué quand même après. On va essayer de mettre la pierre... Attendez, je peux pas jeter la pierre là? Non, pour faire bascule, tu sais. Attends. Oh, il a bougé. Machno, il m'a frappé. Je l'ai pas vu venir, celui-ci. Voilà. Ce qui fait un joli game over, puisqu'on n'a qu'une vie, donc on y va. Play, play normal. Let's go! Donc on y retourne, nous sommes ici dans cette petite pièce. Est-ce que les objets vont changer de place? On dirait pas. Je crois que la clé est toujours là-bas. Eh bien non. Allez, la clé elle a changé de place. Évidemment, ça aurait été beaucoup trop simple. Clé, youhou! Tu peux pas être bien loin, c'est pas énorme cet endroit non plus, hein. T'es puni, t'es au coin? Bah même pas. Alors déjà, ça commence mal. Si on n'a pas la clé du début, on peut pas sortir d'ici. Ah, attendez! J'ai pas bien observé là-bas, il y avait peut-être des tiroirs. J'ai trouvé, voilà, elle était cachée. Elle était cachée comme un steak caché. Bonjour. Allez, donc là, ils vont arriver par en haut, on le sait. Est-ce que la roue est toujours au même endroit? Nous allons voir. Bonjour, bonjour, les hirondelles. Oui. Alors, elle, par contre, elle a décidé de toujours spawner au même endroit. Écoutez, c'est tant mieux pour nous. Donc, je vais aller placer la petite roue. Pas besoin de fermer, puisqu'ils ne peuvent pas rentrer ici. Donc, je pense que fermé ou ouvert, c'est du pareil au même. Hop, voilà. Je vais avancer par ici, je vais aller retrouver notre ami Momom. Par ici, heureusement qu'on a une petite lampe. Hop là, le fameux long couloir. Ou alors la pierre c'est pour faire quelque chose là-bas. Je veux dire dans le truc de Mom. Oh, c'est quoi? Une crowbar. Intéressant, mais pourquoi faire? Je n'en ai pas la moindre idée. Je sais pas du tout. Franchement, là, j'avoue, je ne sais pas quoi faire dans ce jeu. On va aller avancer. C'est comme une redécouverte totale de Granny. C'est comme quand j'ai joué à Granny la première fois. Je comprenais rien, ce qu'il fallait faire. Et ça m'a mis beaucoup de parties pour comprendre. Là, on va quand même essayer d'aller plus vite, par là. Donc déjà, ok, donc là, c'est vraiment verrouillé. On peut rien faire. Très bien. Par là, il n'y a rien. Il n'y a pas de truc pour ce cas. Oh, Tignaoui ! Oh non, elle va me manger. Regardez. On a été dans sa bouche. C'est dégoûtant, hein. Allez, on refait, play, hop, on y va, let's go. J'ai peut-être une petite idée, peut-être que on doit repasser par la porte de là où viennent Granny et Grandpa. Et peut-être qu'il faut la défoncer, la porte, avec une pierre, une grosse pierre. Donc on va essayer, je vais aller faire ça. Je vais récupérer la pierre. Ah bah non, d'abord il faut que je récupère la roue, bien sûr. Bien sûr. Ici la roue, merci. On y va, on y retourne. On a toujours le petit Teddy mignon, hein. Peut-être que la mission finale c'est de poser le Teddy dans le berceau. Ça c'est à mon avis l'objectif final, vu qu'on a le Teddy, donc il faut en faire quelque chose. Et ensuite ça calmera toute la famille, qui ne sera plus la angry family, mais la calme family. Mais toujours le psychopathe quand même, hein. Il faut pas abuser non plus. Granny, grand-père, Angeline et tout. Mom et tout le bazar resteront quand même des petits copates, bien sûr. Allez, on y va. On va aller récupérer le caillou, ou plutôt la pierre. Et est-ce que j'ai encore le pied de biche? Oui, j'ai le pied de biche ici, mais je ne vais pas le prendre. Je vais essayer la combinaison de la pierre avec la porte et on verra bien ce que ça m'a donné, bien sûr. Allez, on y va. Le petit Teddy, tu pourrais m'aider quand même. Il pourrait quand même, je sais pas, utiliser sa mignonnerie pour faire... Ne tuez pas le monsieur qui me porte, s'il vous plaît. Mais toi, mais vraiment, mais toi, quelle mignonne. Regarde, elle s'en va. Nani, Kitty, je ne peux pas récupérer le caillou parce que regardez, elle est déjà là. Alors, en fait, il faut la faire venir par ici, par ici, par ici. Pas trop près non plus, hein. On joue avec le feu, enfin plutôt avec l'araignée. Et maintenant, on y va. Allez, on y va, on y go. On va voir s'il n'y a pas la pierre là-bas. Le caillou magique. Ouais, hey. J'ai le caillou magique. Vite, on y va. Je ne sais pas par quel côté elle va arriver. Oup, 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 oup. Ok, on y va. Ouh, c'est bon. Pas facile. J'ai vraiment peur des araignées. J'ai vraiment peur de Mom. Donc, j'ai tendance à paniquer en sa présence. Mais là, ça va. J'ai été assez rapidement. On y va en avance. Le petit caillou qui est dans les mains. Et on va aller utiliser ça sur la porte. Voir si on peut faire basculer la porte, en quelque sorte.
Hop, on y va, on se lève. Par ici, on peut rien faire, toujours. Allez, les petits escaliers, dernière ligne droite, c'est parti. Les grands-parents vont être là, il faut vraiment se dépêcher pour aller par là où ils sont rentrés. Hip, ça va pas, non? Il est là, lui. Vite, vite, vite. J'espère que c'est ça, sinon je suis coincé. Allez, hop, par ici, par là. Est-ce que c'est ça? Dites-moi que oui. Oui? Oh oui! J'ai défoncé la porte. Très bien. Par contre, peut-être aurais-je besoin du pied de biche pour faire quelque chose. Oh, le piano. On est où, là? Oh, le piano! C'est rigolo! Là, il y a quoi? Une porte ouverte. Très bien. Là, il y a quoi? Une caisse. Il me faut le pied de biche. Quoi? J'ai pu prendre la grosse caisse? Pourquoi faire? Ils sont là, les coquinous! Les coquinous! La 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 la! Oh! Petit passage où ils ne peuvent pas aller! Ah! Oh! Une télé! Et là, ça donne sur... Ah, d'accord. J'ai compris. J'ai compris. Et pourquoi la caisse, elle est... D'accord. Oh, oh, j'ai placé la caisse sans le vouloir, sans savoir. Pourquoi vert ici? Pourquoi vert? Y a rien. C'est quoi? C'est pour m'échapper? C'est tout? Tout ça, c'est pour m'échapper là? Mais y a pas de, y a rien au plafond. On est d'accord? Et tu m'as menti. Ok, je vais aller chercher le pied de biche. On y va? C'est bon. Je suis content. Pour l'instant, on avance plutôt pas mal. Vous avez vu, le caillou m'a bien permis d'ouvrir la porte. La grosse caisse m'a permis, bien sûr, de pouvoir accéder à l'espace du haut, même si ça ne sert à rien. Mais ça me rappelle The Twins. Vous savez, vous vous souvenez du Twins? Vous, alors, je voulais dire, vous savez et vous vous souvenez. J'ai dit, vous savenez. Vous vous souvenez. C'est n'importe quoi. Alors, est-ce qu'ils sont là? Bien sûr que oui. Ils sont tous les deux là? Oui. Alors, on passe de l'autre côté, bien sûr. Allez, hop, on retourne dans la maison. On a le pied de biche. Ça pourra toujours servir. Vous allez me dire, pourquoi? Je ne sais pas. Ça, vous me posez des questions, les amis. Je ne peux pas répondre encore. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je peux casser le piano? Et non. De toute façon, ça sert à rien. Hein. On va pas casser des pianos non plus. Hein. C'est gentil, un piano. On va aller voir dehors. Est-ce qu'on peut utiliser... Enfin, c'est pas dehors, c'est des toilettes. Je suis un peu méchant avec eux. Mais en même temps, leurs toilettes... Hey, ils sont déjà là, les coquinous. On va passer par ici, du coup. Hop là. Est-ce qu'ils peuvent ramper? Non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce qu'ils sont pas assez mignons. Par ici, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. La télé, je peux la casser? Bien sûr que non. À l'arrière, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Très bien. Non, mais très bien. Donc, j'ai le pied de biche. Je suis content, j'ai placé ça. Mais alors, je peux pas casser la... Non. Qu'est-ce que j'en fais, moi, de ça? Alors là, je vous avoue que l'un dans l'autre, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je peux casser ça? Non. Est-ce que je peux casser la fenêtre là-bas? On va voir. Peut-être ça, je peux rien faire. Ça, je peux rien faire. Ça, je peux strictement rien faire. Écoutez, c'est sympathique, mais que faire à partir de là? Ils sont où? J'espère qu'ils vont pas venir comme ça. Un coup sec. Je peux pas retourner par là? Non, je ne peux pas. Venez. Voilà, suivez-moi. Faites le tour ici. Voilà, venez. 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 On dirait un hypnotiseur raté. Venez. Oh, ils viennent. Très bien. On y va. Ok. Très bien, c'est très très bien. Alors là, c'est quoi ça? Pourquoi il y a eux? Oh, il y avait une cachette. Waouh. Oh, ils sont déjà là. Ouh, je vais essayer de les semer dans les toilettes. Je les semer dans les toilettes. Qu'est-ce que c'est? Une chasse d'eau. What? Pourquoi je peux tirer la chasse d'eau? Ah, ça sent mauvais maintenant. Qu'est-ce qui se passe? What? Et ils sont où? Oh, ils ont été... Ils ont été complètement, comment on dit, asphyxiés par leurs propres odeurs. Ah, c'est sympathique. Il a pas une clé, lui? Ah, il a rien. Bon, alors, écoutez, on va aller par là. Je sais pas du tout pourquoi. Ça. Ok, ça, il faut quoi? Oh, Master Key! Elle est où, la Master Key? Je jette ça. Elle serait pas aux toilettes? Ou alors, ils l'ont pas, eux? Attendez, pourquoi je les ai... Mais je les ai endormis avec leurs propres odeurs. Non, il n'y a pas de Master Key, ici. Je peux pas déplacer ça. Ouh là là! Alors là, il faut trouver la Master Key. Ça, c'est une autre histoire. Et on démarre une autre histoire. Et je n'ai pas la Master Key. Ça me semble bizarre. Elle serait pas sur eux, quand même. Ils vont pas se réveiller, quand même. J'ai peur qu'ils se réveillent, moi. Et le piano, t'as pas une clé? Je peux pas ouvrir le piano? Non. Bon, vous réveillez pas, vous, hein. Je peux pas les pousser, rien à faire. Master Key, alors, non, je n'ai pas de Master Key. Par là, coucou, regardez, je suis caché. Bon, ça sert à rien. Il avait rien dans les mains, rien dans les poches. Il avait un bâton, bien sûr. Rien dans le chapeau,
D'accord. Bah alors. Ah, sur une chaise, attendez. Attendez. Petite chaise. Petite chaise, donne-moi la master Kikiki. Il n'y a pas de qui. Ça me semble quand même bizarre cette histoire de poutre là qu'on peut grimper sans qu'il y ait rien. Il n'y aurait pas la clé au bout qu'elle... C'est quoi ça? D'accord, c'était juste devant moi, sauf que comme elle est couleur rouille, je l'ai pas vue. Mais oui. Oh, bah c'est tout, on peut s'échapper? Mais si c'est ça, c'est le grenier le plus simple de toute la vie. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Mais oui. Bah alors, on a gagné. Oh, regardez, ils sont pas contents. Oui, oui, ça pleurniche, ça pleurniche. Eh bien oui, on a gagné, c'est comme ça. On est parti sans aucun problème. Enfin si, hein, on est mort quand même plusieurs fois. Hein, on va quand même éviter de fanfaronner. The End, mais on le refait en mode difficile, bien sûr. On a toujours le petit Eddy, on a la roue, voilà, on y va. Le commencement, c'est la clé, bien sûr, c'est ici. Tac, schlack, flouk, plic, flic, schlouk, on y va. La roue. I need to trouver la wheel avant qu'ils arrivent. Vite. Vite. Ah ah, elle a changé de place, la coquine. Bah oui, bah oui, bah pourquoi pas, bah allez. Mais bien sûr, mais bien sûr. Ah, elle est là. Coucou, ça y est. Ah là là là. Ils étaient juste ici, les coquinous. Ah yeah, voilà. Bien, on se calme. Houhou. On va appliquer ça là. Voilà, maintenant on peut aller dans les égouts de Mom. On est content, n'est-ce pas? Tout le monde a envie d'aller dans les égouts de Mom. C'est un lieu... Oui, mais comment je fais? Moi, vous êtes bien gentil, mais... Bon, on fonce. Yeah! Oui! C'est bon, on a réussi. Tout est une histoire de practice et de... Je sais pas ce que je voulais dire, mais en tout cas, d'entraînement, c'est ça? De talent? De doigté? Je ne sais pas, on y va. La pierre. Alors là, ça va être compliqué. Là, il faut attirer Angelaine d'un côté et courir sa maman pour aller le plus vite possible afin de récupérer le caillou, ou plutôt le gros rocher. Ah, j'étais pas presque qu'elle soit là. Dis donc. Dis donc, coquine. Alors... Alors, on ne saute pas comme ça sur les gens. Non. Non. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pas des manières. Non, mais là, si je sors, elle m'attrape. Elle m'a pas attrapé. C'est génial, le jeu, Oh, il est là. Oh. Mais alors là, le jeu était vraiment très, très sympa avec moi. Hein. On y va. C'est bon. Écoutez, elle aura pas eu la moindre chance de m'attraper, celle-ci. Tant mieux. Hein, j'ai envie de vous dire. Comme ça, on peut avancer. Oh, mais alors, une fois qu'on a endormi les grands-parents avec les toilettes, c'est fini pour eux. C'est fini, ils sont asphyxiés par leur... d'éjection. Donc, on a gagné, en fait. Dès qu'on a tiré la chasse, on a gagné, en réalité. Mission, tirer la chasse. J'aurais jamais pensé dire ça un jour dans une vidéo ou dans un jeu granny, mais voilà, si on tire la chasse, on gagne. Va falloir me laisser partir. Hein? Vous êtes bien, bien mignon, mais là, je peux pas. Bah oui, mais je... Donc là, ils sont bien à gauche, donc on va aller bien à droite. Oh, j'ai réussi. Partout d'Atis. Ah ah. I did it! Did it. Allez, on casse ça. Bing, bing, bing. Allez. Wow. C'est bon, on ouvre la cachette secrète. On fait un petit peu de piano. Et on va surtout tirer la chasse, bien évidemment. Bonjour. Allez, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Hop là! La chasse est tirée. Oh, regardez, ils font un gros dodo. Asphyxiés par leur odeur de prout. Merveilleux. Je vais aller placer ça là-bas et je vais aller récupérer la master key. Récupérer bien sûr le pied de biche, oh ma biche, et on va s'échapper. On aura donc réussi le mode difficile. Il nous restera le mode extrême à faire. Est-ce que je vous ai déjà parlé du mode extrême qu'on va faire juste après? Bien, voilà qui est fait. Je vous ai donc parlé du mode extrême que nous allons faire dans quelques instants. Est-ce que j'ai envie de dire une quatrième fois extrême? Non, pas vraiment. Alors on y va. Je vais aller chercher le pied de biche qui est juste ici. Bonjour. J'espère qu'Angelaine ne pourra pas amener ses petites pattes d'araignée maudite par ici. Je ne crois pas. Je crois qu'elle a trop peur de ça. Trop peur de moi. Bien sûr. Allez, on y va. Vite.
En espérant que les coquinous là-bas soient pas réveillés, hein, et qu'il se passe pas une petite boum, une petite partie, une petite fête en mon absence, hein, pour célébrer le coup sur la tête que le grand-papa m'a donné tout à l'heure. D'accord. Allez, bah je crois que c'est bon, hein. Je crois qu'on peut s'échapper sans aucune difficulté. Une fois qu'on a tiré la chasse, les grands-parents sont KO. Et comme tout est KO, on s'échappe. Formidable. Première fois que je réussis un granier en mode difficile. Aussi rapidement. C'est incroyable. On a réussi. Vous êtes dans le dégoût. Je suis dans la joie. Et non pas dans mon jacuzzi. Hein, je n'en ai pas. The End, mais ce n'est pas fini pour nous. Et Last Day en même temps, ils auraient pu écrire parce que c'est... Hein, on n'a qu'une seule chance. Alors là... C'est pas dit qu'on réussisse, les amis, hein. Mais on va essayer. On doit trouver la roue, donc c'est parti. Bim. Allez, là, elle est là. Est-ce qu'elle est là? Non, est-ce qu'elle est là? Non. Ah oui, d'accord. Je ne peux pas. D'accord. Ça, on y va. Ok, je vais aller en haut directement récupérer la roue. Si je peux aller... Ah bah, elle est pas là. Ah bah, bien sûr. Ah. Ça, ça nous aide. Regardez. Hop. Elle est où la roue? Elle est là-bas à gauche. D'accord. Oh, ils arrivent par là. Oh, je ne peux pas. J'ai raté. Évidemment que je peux y arriver en mode practice. Mais je pense que je peux y arriver en mode extrême. I think so. Bah j'ai raté. J'ai raté Gérard. Gérard T? C'est qui? Je ne connais pas ce Gérard. Vite, on va aller par là. Vite. Mais ils vont beaucoup trop vite, ces gredins. Ok. Mais c'est quoi ces pieds là qui me marchent dessus? On refait. Mais laissez-moi prendre la roue. Pourquoi je me trompe toujours de sens? Ok. Oh! Oh là là, non, 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 c'est de l'anti-jeu. Je bois un peu de thé. On y va. Vous allez voir que cette fois-ci, ça va être à gauche. Bon, écoutez, c'est pas grave, j'essaye quand même. Voilà, c'est à gauche. Non, mais le jeu, en fait, me troll. Il me troll, Iloulou. Donc, par ici, on va essayer. Voilà. Mais je peux pas. Il va beaucoup trop vite. Par ici. Vite. Par là. Tu prends la roue et tu te dépêches. Ok. Par là. Par ici. Eh, ça a l'air de fonctionner. Par là. Tout droit. Vas-y, 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 vas-y. Ouais, j'ai réussi la roue. Au moins, c'est déjà ça. Donc, schlack, c'est fait. Maintenant, reste encore à aller dans les égouts. Et ça, c'est pas facile parce qu'ils sont juste là. Donc. Ok. Ouh, j'ai réussi. Alors ça, c'est formidable. Ça, je pensais pas y arriver. Je serais pas arrivé sans le soutien de vous tous, la Max Family. Oh oh. Le pied de biche n'est pas là. Ça veut dire qu'il va falloir trouver deux objets dans les égouts. Mom va pas me laisser tranquille. Donc ça, ça va être la difficulté suprême. C'est de récupérer le pied de biche et la pierre et les amener ici. Super, on est content. Allez, elle est là. Allez, on y va. On fait le tour. Déjà, on va voir s'il n'y a pas le pied de biche ici. Non, bien sûr que non, ça aurait été trop simple. Là-bas. Il y a la pierre. Ouh! Il y a la pierre là-bas, je l'ai vue, oui, je l'ai vue là-bas, je l'ai vue là-bas. Oh! Ah bah oui, mais... Et voilà qui termine cette partie de The Angry Family. Nous avons réussi en facile, en normal, en difficile. Le mode extrême a eu mes limites. Hein. J'ai pas réussi. Hein. Ils sont vraiment trop méchants. Bien sûr, dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres parties de ce jeu. Même si bon, là, je pense qu'on a fait le tour, bien évidemment. Mais en tout cas, donnez-moi des suggestions d'autres jeux. N'oubliez pas le petit pouce qui fait super plaisir. Explosez ça, s'il vous plaît. Et bien sûr, le mot mystère à mettre dans les commentaires, c'est énervé. Puisque, bien sûr, la famille était énervée au possible. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!